Mesdames, Messieurs, en vos grades et fonctions, je voudrais être court, mais je suis là à trois temps. Aux côtés du président du SDIS, je représente les maires du conseil d'administration. Les maires du secteur sont là. Je suis aussi président du PAR et président d'une communauté de communes qui a donné une pompier à la coquille, ça demande à Florent. Ici, nous sommes à Abja, le maire. Abja, c'est le berceau du parc. Pour le rappeler, ce n'est pas déplacé de le rappeler. Je vois l'ancien maire, je le répète, on doit beaucoup à Abja. Et il est normal qu'au niveau des collectivités, nous montrions l'exemple. Montrer l'exemple, c'est aussi, même en ces temps de difficultés, bien faire des choix. Faire des choix, c'est faire confiance en des gens que nous connaissons. Marc Pichot, vous connaissez au bar, il est effectivement dissipé, mais compétent, efficace, le disait M. Bernadja. Et donc, moi, je peux vous assurer que vous pouvez compter sur lui, comme nous comptons sur lui, déjà. Nous sommes fiers d'avoir fait ce choix-là en discussion, en convention avec le corps départemental des pompiers. Et je souhaite, au titre de l'ensemble des élus du parc naturel régional, vous dire que nous avons conscience de l'importance des soldats du feu volontaires, pas seulement dans le parc, au niveau départemental, et nous sommes là aussi pour vous soutenir, et c'est pour cela que nous vous le disons ce soir. Merci, continuez. Félicitations au capitaine, et puis bon vent à celui qui arrive. Merci.